Sécurité renforcée samedi devant l'ambassade d'Italie au Caire, où des dizaines de personnes ont manifesté pour rendre hommage à Giulio Regeni. L'étudiant italien disparu le 25 janvier a été retrouvé une dizaine de jours plus tard dans un fossé, des traces de sévices sur le corps. Pancarte à la main, plusieurs d'entre elles ont demandé que justice soit faite. Giulio Regeni faisait des recherches pour une thèse sur les mouvements ouvriers en Égypte lorsqu'il a disparu en plein centre du Caire. Oussama Hassan, magistrat du parquet qui a constaté sa mort, a assuré qu'il s'agit d'un meurtre au vu des contusions et des blessures sur le corps. La dépouille a été rapatriée ce samedi au fin d'autopsie. Jeudi, le chef de la diplomatie italienne Paolo Gentiloni a demandé que des enquêteurs italiens participent à l'enquête.